Yakubu Togoro Yoru innove à travers la fabrication de machines agricoles et agroalimentaires au Bénin. Ingénieur natif de la commune de Dali au nord du pays, il a fabriqué plusieurs machines agroalimentaires et agricoles, dont la décortiqueuse vaneuse de noix de karité et d'arachide motorisée. Son entreprise, dénommée Asfama, a été créée en 2013 et est basée à Parakou. Entre-temps, nos mamans, ils prenaient beaucoup de la peine pour décortiquer ce noix de karité. Vous voyez, c'est que quand il est temps de le faire même, c'est-à-dire qu'il faut solliciter un grand monde avant de retrouver ces résultats. Aujourd'hui, maintenant, avec cette machine qui a été mise en place, en une heure, vous faites 800 kilos. Asfama regroupe une vingtaine d'apprentis et une dizaine d'ouvriers, dont deux artisans tourneurs et un forgeron. Yakubu Togoro Yoru entend s'investir afin de relever les défis en matière de création d'équipements à travers le secteur agroalimentaire et agricole. Nous ne pouvons pas dire qu'on est satisfait et on ne peut jamais dire aussi que ça ne marche pas. Parce que suite à ça, on a eu aussi à donner du travail à d'autres personnes qui sont là, qui sont en train de travailler aujourd'hui à cause de cette entreprise, eux-mêmes sont en train de survivre. Grâce à ses recherches, Yakubu Yoru a été plusieurs fois distingué au plan national et international. En 2014, il a remporté le prix au Salon national des artisans. En 2015, le prix d'encouragement au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Siao. En 2017, le trophée des innovations et en 2018, le prix meilleur innovateur à la soirée des Oscars des élites.